Et salut à tous, c'est Rio. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Un total freestyle, total improvisation. Alors, c'était pas prévu au départ. Alors, pour une fois, je filme dans une maison. On voit l'intérieur d'une maison. Alors, ce n'est pas chez moi. Et j'ai décidé, en fait, aujourd'hui, de vous présenter une console, une bête, une... Il n'y a pas de mots pour la qualifier. La voici. Bon, je pense pas qu'on la voit très très bien comme ça. Il s'agit de la Dreamcast, bien sûr. De la Sega Dreamcast. Donc construite et enfin, fabriquée, éditée par Sega. Sorti en 1999, 2000, enfin pour nous c'était plutôt 2000. Voilà, 98-99. Alors par contre, je sais pas si on voit bien en détail. Je pense pas, avec la lumière ça le fait pas. Alors moi je vous fais cette vidéo, pas pour vous faire une banale présentation de la console quoi, mais vraiment pour partager ce que j'ai ressenti avec cette console. Je vous le dis tout de suite, cette console est pour moi la meilleure console. C'est clair, je vous expliquerai pourquoi après. Et donc voilà, en plus de ça, je fais cette vidéo, donc pas chez moi. Donc je suis quelqu'un que je connais, enfin voilà, peu importe. C'est un moment avec plus d'émotion encore parce que c'est ici que j'ai connu pour la première fois la Dreamcast. Voilà, c'est ici que j'ai découvert quoi. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Normalement, elle ne va pas durer non plus des heures. Hein. Simplement pour faire un petit topo. Bon, je vais peut-être au départ quand même me présenter vite fait qu'est-ce qu'elle peut faire, etc. Enfin, je ne suis pas un pro informatique, etc. Donc, je ne connais pas toutes les spécificités de la Dreamcast, etc. Mais je peux vous en faire le tour rapidement, quoi. Voilà, donc normalement. Donc avec la lumière ça se voit pas mais la Dreamcast est jaune là. Elle est jaune. Bon. Parce qu'en fait, à ce qu'on voit. Ah si. Si on voit la différence quand même. Attendez, je vais me stabiliser. Pas pratique en fait. Filmer comme ça. Alors en fait, la Dreamcast à la base est blanche. Donc comme vous voyez, la couleur en dessous quoi. Elle doit être blanche partout comme ça. Et là, vous pouvez déjà voir la différence, quoi. Ici, c'est vraiment jaune comparé à là, quoi. Ah, si, ça se voit un peu quand même. Là, quand je le mets comme ça. Ah, voilà. Là, c'est parfait. Ouais, bon, avec les reflets, enfin, avec le soleil, parce que là, je suis juste à côté de la fenêtre, on voit pas très bien. Mais bon, la Dreamcast est complètement jaune, là. C'est un truc de fou. Alors, oui, donc la Dreamcast est une console qui jaunit pas mal avec le temps. Alors celle-là, je l'ai depuis 2000-2001, je sais plus exactement. On va dire 2000. Hein. Donc ça fait quoi, 12 ans. Donc elle est jaune. Ce qui m'étonne, c'est que, vous voyez, cette face-là est jaune. L'autre côté est blanc. Bon, c'est bizarre quand même. Et donc cette console, elle a pas mal, on a pas mal utilisé début des années 2000. Et moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas revue. Mais je sais que depuis peut-être 2008, ou tout comme ça, elle est plus utilisée du tout. Donc elle a été mise, elle a été rangée dans la pièce qu'on va aller voir après. Et elle a été mise comme ça au placard pendant tout ce temps. Et le truc, c'est qu'elle bon, elle est devenue jaune par le temps, mais elle marche encore, elle fonctionne encore, je vous montrerai. Un truc de fou, quoi. Sur le cas de 12 ans, elle fonctionne encore. Alors, on va faire le tour vite fait de la console, pour ceux qui ne connaissent pas alors. Ouais, donc je vais vraiment vous présenter la console pour ceux qui ne connaissent pas cette console, cette merveilleuse console. Cette exceptionnelle console, j'ai envie de dire. Vous avez le logo Dreamcast en bleu. C'est une console pâle,
Donc vous avez des modèles aussi Jap et US, de couleur rouge. Donc le capot ici. Vous avez le bouton power, bien entendu. Le bouton open. Vous avez la lentille optique qui se situe dedans. Quand j'allumerai tout à l'heure, on verra. On verra après ça. Alors, ici, 4 ports manettes. Le logo Sega. Bon, ils disent compatible avec Microsoft, Windows CE, machin. Là, bon, pas mal de trucs comme sur chaque console. Hein, vous avez des warnings, etc. C'est normal. Vous avez ici le modem pour se connecter à Internet, oui. Car la Dreamcast peut se connecter à Internet. Peut-être que je vous montrerai vite fait ça. Mais bon, ça. On verra bien. Vous avez l'alimentation. Le connecteur pour connecter à la télé. Et ici, chose qu'il faut quand même, vous avez l'encoche ici pour vous connecter un câble VGA. Donc qui n'existait pas à l'époque, c'est pour se connecter aux télé aux télé nouvelle génération quoi. Les télé HD, Full HD, etc. Parce que à l'époque bah, c'était des télé cathodiques quoi. Donc, je vous montre le connecteur, c'est ancien quoi. Donc Sega déjà en 2000 avait prévu un truc pour se connecter au télé. Bon, bien sûr quand on achetait la console, il n'y avait pas de câble. D'ailleurs, ça se trouve encore les câbles pour la Dreamcast, mais c'est assez cher quand même, il faut reconnaître. Alors, vous avez aussi le ventilo ici. Je crois qu'on a fait le tour de la bête. Alors, au niveau poids, je pense on peut la comparer au poids de la GameCube. Vraiment toute légère. Hop, on ouvre ici. Vous voyez, c'est encore blanc. Donc ici, ouais, le format des CD en fait, c'était le GD-ROM qui se mettait ici, qui était qui avait plus de mémoire que les CD-ROM habituels que les autres consoles utilisées à l'époque. Enfin, avant la PS2 quoi. Et donc il y avait plus de mémoire, mais bon. Le gros problème qu'a eu la Dreamcast, c'est que elle a vite été piratée en fait. Pas mal de cœurs qu'on trouvait qu'on pu facilement elle était facilement piratable en fait parce que les GD-ROM parce que la Dreamcast peut lire aussi les CD-ROM donc il suffit juste de graver un jeu format CDI sur un CD, vous le mettez dans la Dreamcast et ça tourne. Donc voilà, c'était vraiment facilement piratable. Donc je crois que j'ai fait le tour. Ouais, normalement, ouais. Alors, pour déjaunir votre Dreamcast, ça c'est un sujet tabou. Non, c'est pas un sujet tabou, justement. Alors, déjà, le jaunissement apparaît. Attends, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas en fait vraiment comment il apparaît. Si c'est. Je pense c'est en laissant dans un endroit humide, soit vraiment trop ensoleillé. Trop chaud quoi. Faut vraiment que ce soit dans un milieu comment dire un milieu normal quoi. Enfin, faut pas que la lumière reflète trop dessus, faut pas. Ouais, ça pas abîmé quoi. Et pareil, faut généralement, a priori, faut pas mal la nettoyer. Il y en a qui la nettoient tous les jours, etc. Qui passent un chiffon dedans, etc. pour bien nettoyer. Moi j'ai jamais fait quoi. J'ai jamais fait, mais bon, a priori, j'ai pas eu de problème. Voilà, elle en fait, cette Dreamcast là est devenue jaune avec le temps. Tout simplement. Enfin, en restant dans la poussière, quoi. Donc voilà, donc, ça c'est la Dreamcast. Je vais vous montrer également les manettes, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, là, ça va être assez drôle.
Parce que. Alors, j'ai deux manettes. Une blanche. Et une qui a jauni. Alors, est-ce qu'on voit la différence? Hop, je vais me reculer un petit peu. Bon, on voit légèrement la différence. Hein. À droite, la jaunie. Et à gauche, bien sûr, la blanche. Hein. Donc, c'est vraiment un truc de malade. Hein. Je sais pas. Je peux pas expliquer le truc. Même, regardez. L'embout de celle-là, de la jaunie, est devenu jaune aussi. Et est-ce que c'est. Il me semble que c'est pareil. Pour la deuxième. Alors, on aperçoit du blanc à l'extrémité et le reste est jaune. C'est vraiment. Si quelqu'un pourrait m'expliquer vraiment. Parce qu'en plus, les deux manettes, on les a vraiment utilisées quasiment autant, je pense. Hein. Je sais pas à quoi c'est dû en fait. Peut-être une qui était plus exposée, je sais pas. Alors, je vais juste vous laisser 2 minutes. 2 minutes. Je vais poser ça. Et je vais sortir la carte mémoire pour vous montrer à quoi ça ressemble en fait. Ça s'appelle VMU, une visual, la visual memory, quoi, la carte mémoire. Alors là, elle est blanche, c'est pareil. Celle qui était dans la manette blanche, elle restait blanche et l'autre elle est devenue jaune, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Et d'ailleurs, c'était tellement gardé dans la poussière que j'ai vraiment eu j'ai vraiment eu du mal à l'enlever, quoi. C'est un truc de ouf. Alors, donc elle servait donc de carte mémoire. Vous l'emboîtiez donc comme ceci, vous la mettez dedans. Vous pouviez en mettre deux dans chaque manette. Alors là, je sais plus exactement combien de blocs ça peut tenir. Ça servait également de mini-console en fait. Avec des sauvegardes quand vous jouez un jeu, par exemple Sonic Adventure, vous avez joué tout, et vous avez des données, et vous pouvez jouer à des mini-jeux ou je sais pas quoi. Ça peut être sympa. Hop, vous l'entrez comme ça. Voilà, avec écran cristaux liquides. Donc voilà pour ça. Bon alors, on va passer. Maintenant, je vais vous lancer la Dreamcast, la bête. On parle un peu plus de ce que j'ai vécu avec cette console, celle-ci. Alors, je vais vous laisser comme ça. Le temps que je passe la console dans l'autre pièce et j'arrive. Hop, ça, je remets carte mémoire dedans. Je remarque la console et j'arrive. Alors, je vous préviens, je vous disais que la Dreamcast avait vécu dans la poussière, et ben il n'y a pas que la Dreamcast qui était dans la poussière. Toute la chambre où on va aller est rempli de poussière. Donc, enfin, moi j'appelle cette chambre maintenant pays de la poussière ou Dustland. On va appeler ça Dustland en anglais. Poussière, c'est dust. Hein. Dustland. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous y emmène. Hop. Donc, c'est juste ici. Alors, on retrouve la même case ici. Alors déjà ça pue la poussière. Là vous avez la connectique, l'alimentation. Donc, est-ce que si je mets ça comme ça on pourrait voir. Ouais, c'est pas mal.
Hop, là c'est vraiment au ras du sol. Donc on connecte ça ici. Hop, il y a une prise remplie de poussière. Et deuxième, on voit pas, un peu haut. Hop, que je mets ici. Alors, voilà. Donc c'est bon. Il n'y a plus qu'à brancher la manette. Hop. On va brancher ceci. Et on va pouvoir lancer. Alors, je vous montre. La télévision. Donc c'est une cathodique. Hein. Alors vous avez là-bas quelques jeux Dreamcast. Et cette Dustland contient un mythe. Car vous avez tout à gauche là-bas, Shenmue. Je vous mettrai tout à l'heure. Pas de problème là-dessus. Alors est-ce qu'on peut voir un peu de poussière? Là par exemple c'est un vieux téléphone. Tout ce qui est en blanc là c'est de la poussière. Regardez-moi ça. Pareil sur le meuble là. Tout ça là, est-ce qu'on voit mon doigt? Je touche pas, vous inquiétez pas. C'est de la poussière. Regardez-moi ça. Quand je vous disais qu'on était à Dustland. Ah là là, je. Ouais, là pareil. C'est là où il y avait la Dreamcast. Ouais, donc la Dreamcast était posée ici pendant plusieurs années. Elle n'a pas bougé avec les jeux à côté et tout. Donc c'est un endroit plutôt assez sombre. Il faut, si vous savez, pour les connaisseurs de vraiment les bons connaisseurs de Dreamcast et tout, si vous pouviez m'aider, me dire pourquoi elle a jauni comme ça, qui était la cause en fait, j'aimerais bien savoir. Donc on va allumer, on va brancher cette Sanyo. Télé Sanyo. Hop, avec le. Ce qu'on voit. J'étais un peu loin. Hop. Ouais, je vais devoir lever ça. J'ai une main, donc je vais devoir. Hop. Hop, voilà. Voilà, voilà. On va brancher. On va allumer la télé. Elle a du mal à s'allumer, non, c'est bon. Ah, si. Voilà notre superbe télé. Et on va allumer. Donc, alors voilà. Elle antique est en dessous en rouge. Là, par contre, ça va faire pas mal de. Ouh là là. Je sens que la qualité. Pff, la tête pour Raph. Et merde. Alors là, je rencontre le même problème que j'avais rencontré. Alors, j'ai pas de problème pour lancer la Dreamcast. Mais par contre, pour la reconnaissance des manettes. Là, en fait, j'ai branché, si vous voulez, la manette. Mais elle le reconnaît pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que. Faut débrancher. Et rebrancher. On connaît toujours pas. Alors dans ce cas-là, ce que je fais, c'est je souffle juste un coup. Puis la poussière. Hop. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, j'ai qu'une main, donc. Vous voyez, il faut régler l'heure et tout. Oh putain, la qualité, c'est vraiment un truc de fou. Télécathodique, je pensais pas que ça faisait un truc comme ça. Si je me recule un peu, peut-être.
Donc là vous avez 4 icônes. Fichier, jeu, musique et réglage. Un truc basique, hein. Je vais juste voir un truc dans les fichiers. Voilà. Ah, 114 libres. Ok. Bon. Allez, on va couper ça. On est déjà à 20 minutes. On va couper la télé. Voilà. Parce que je suis désolé, la qualité est pas très bonne. Je pensais pas que ça faisait ça avec les télé cathodiques. C'est vraiment un truc de fou. On apprend tous les jours. Moi, je vais vous présenter un peu les jeux auxquels j'ai pas mal joué quand j'étais plus jeune. Alors, déjà, faut... je vais vous montrer un truc. Donc, là, vous avez la boîte de Extreme Sports. Alors, celle-là, je vais voir si je me mets plus loin, si c'est... Si je le pose ici. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est Extreme Sports, là, vous voyez... La boîte est complètement pétée. Faut vraiment savoir qu'avec la Dreamcast, les jeux Dreamcast, les boîtes étaient... Les boîtes sont vraiment très très fragiles, ça. C'est vraiment un truc de gros psychopathe. Cette boîte-là, il y a encore une semaine, elle était comme neuve. Et je l'ai fait tomber du meuble là-haut, là-bas. De là-haut, quoi. Elle est tombée. Et les... Et c'est pété quoi. C'est pété. Je peux plus fermer quoi. Donc Extreme Sports. Alors ce jeu là, j'y ai joué mais j'y arrivais pas. Je comprenais pas trop le principe. Enfin, il était assez chaud il me semble. Parce qu'en fait on doit. On commence avec un sport. Alors si mes souvenirs sont bons, on commence avec le surf. Je sais plus, je sais qu'il fait du vélo, du deltaplane. Je crois que deltaplane c'était la deuxième sport. En fait, on avait un timing et on devait passer sur des obstacles, je sais plus quoi. Et une fois qu'on avait passé, on fait une épreuve, enfin on fait un sport. Et une fois qu'on. Enfin, faut que le. Faut. C'est un contre-la-montre et on enchaîne les sports. C'est ça en fait. C'est tout simple comme ça. Donc, ce qui était pas mal avec les boîtes Dreamcast, c'est qu'on pouvait mettre un deuxième CD, un deuxième GD ici. Excusez-moi, mais ça pue la poussière. C'est la seule pièce de la maison qui n'a pas été changée. Il n'a pas évolué depuis. Alors, je vais juste ouvrir la fenêtre, ça vous dérange pas trop. Hop. Alors on va laisser un peu ouvert comme ça. Alors je vais juste chercher les autres. Non, je... Allez, finalement, on va aller les prendre. Ouais, en fait, non, je vais pas pouvoir tous les prendre d'un coup, je vais vous laisser. Hop, comme ça. Hop. Quasiment une dizaine de jeux emplis de poussière. Et il en reste un normalement. Hop. Alors. Rayman 2. Alors celui-là, la boîte, elle est complètement, mais complètement out. Un morceau ici. Un morceau là. Là où il y a le jeu. En fait. Cette boîte, elle est complètement morte. C'est un truc de ouf. Alors Rayman 2, c'est sur Dreamcast que j'ai découvert Rayman 2. Il paraît que c'est même la meilleure version. J'ai joué après la version PC. J'ai testé aussi la version N64. Je sais plus si c'est la version N64 ou PS5 que j'ai testé aussi.
Mais franchement, la version Dreamcast, un truc de gros psychopathe. C'est la plus belle en fait. C'est la plus belle et en plus, il y a des niveaux cachés, il me semble, qu'il n'y a pas sur les autres versions. Vous verrez. Rayman, c'est les solo, c'est un jeu solo. Rayman 2, mais c'est vraiment. Pour moi, c'est un de mes meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué. Rayman 2, franchement. Voilà. Rien à dire de plus. J'ai joué pas mal, je l'ai fini. Excellent jeu. Je vous le recommande à tous. Il y a même eu un remake fait sur DS, il me semble. Ouais, j'ai. Sur DS? Ouais, c'est sur DS que j'avais joué aussi. Ouais. Mais c'est moins bien quand même. Surtout, la manette Dreamcast épousait parfaitement le gameplay de Rayman. Jeu suivant. Chouchou Rocket. Alors, a priori, je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps, Chouchou Rocket était dans le pack. Dans le pack Dreamcast, en fait. Parce que c'est un jeu en ligne. C'est le premier jeu la Dreamcast qui joue en ligne. Qui avait un mode multijoueur en ligne. Alors là, c'est le Dreamcast. Je vais vous en parler après. Là, vous aviez le jeu Chouchou Rocket. Alors, moi, j'ai très peu joué. Parce qu'il ne me disait rien, vraiment. Mais à l'époque, franchement, je vous dis, moi, j'étais jeune à l'époque. Hein. Ça fait 12 ans. Hein. Ça fait déjà 12 ans, ma parole. Ça fait déjà 12 ans et bah, j'ai joué quand même deux fois, je crois. Deux fois, et bon, le but en fait c'est les petits chouchous là, les petites souris. Il faut les faire fuir, les ramener vers leur fusil en fait. C'est assez compliqué ça. C'est un puzzle game en fait. Conseil normalement d'essayer si vous souhaitez. Premier jeu internet. Sur internet. Alors, celui-là, NBA Showtime. NBA on NBC. NBA on NBC. Très bon jeu de basket. J'ai joué, sympa. Je sais pas combien il le note, combien sur les sites il est noté. Je trouve très bon jeu. Tomb Raider. Révélation finale. Excellent jeu aussi. Bah, vous connaissez. Si vous connaissez bah, la saga Tomb Raider, bah, sachez que c'est. Alors celui-là, je crois que c'est l'épisode 4. Je pourrais pas vous dire révélation finale, je sais plus lequel c'est dans la série. Ah, ça va marquer. Ouais, non, je sais pas. Jeu suivant, Blue Stinger. Alors Blue Stinger. Je peux vous dire que j'ai jamais joué à Blue Stinger. J'ai jamais joué. J'ai entendu du bon dessus, j'ai entendu du mal dessus. J'ai entendu dire que par exemple le graphisme et le gameplay commençait à dater un peu. Alors est-ce qu'il y en a une date dessus? La jaquette est toute morte. Blue Stinger, moi je donnerais. Début 2000, non? Je dirais que c'est un jeu début 2000. C'est un jeu de début. De début Dreamcast. Blue Stinger. Survivre à l'horreur sur l'île aux dinosaures. Hop! Legacy of Kain, Soul Reaver. Très bon jeu. Alors celui-là, j'ai joué pas mal. Très très bon jeu. Je l'ai pas fini. Je sais plus si je l'ai fini. Non, je crois que j'ai été au boss final. Je crois que c'est au deuxième combat avec Kain. C'est vraiment un bon jeu aussi. Dans un univers vraiment particulier, vraiment très sympa. Je vous le recommande. Absolument. Mais je suis parti de la série des. Et Legacy of Kain. Donc il y avait Legacy of Kain, Soul Blade. Non, c'est pas Soul Blade. Non, je suis en train de me confondre avec Soul Calibur. Soul Reaver.
je sais plus comment elle s'appelle, mais dans le premier épisode, en fait, c'est vous êtes avec Kane, de Legacy of Kane. Alors que dans cet épisode, vous contrôlez Revol, son lieutenant, qui veut se venger. C'est une histoire de vengeance. Resident Evil Code Veronica. Alors celui-là, il paraît, il est aussi excellent. Il paraît que c'est l'un des meilleurs de la série. Mais là encore, je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais assez jeune quand j'ai découvert Dreamcast. Et ces jeux-là, c'était pas ce genre de choses que je jouais. Pourtant, j'avais joué à Soul Reaver. Mais celui-là, ça me disait rien. Toujours plus fort, toujours plus effrayant par Capcom. Pareil, un jeu que je connais pas du tout. Fighting Force 2. Alors celui-là, je peux même pas vous dire c'est quoi comme style de jeu. La société Nakamish s'apprête à créer l'arme absolue et à la livrer aux plus offrants. Un cyborg cloné capable de combattre jusqu'à la mort, de survivre à n'importe quel environnement. D'accord. Bon bah écoutez, peut-être qu'un jour je pourrais essayer. Déconseillé au moins de 12 ans. Ah, c'est pour ça que j'ai pas joué. Non, voilà. Voilà pour ça. Et peut-être le jeu où j'ai plus. Alors le jeu suivant est le jeu auquel j'ai plus joué sur Dreamcast. Je dois le reconnaître. Ici. Hein. C'est Dreamcast là. Snow Surfer 4444 Free Blade. Ça. Puis là, ça m'a marqué à vie, ça. Je vous le mettrai tout à l'heure. C'est que des souvenirs, ça. Que des souvenirs. Alors là, la boîte aussi est niquée. Alors il manque une partie. Il manque une partie de la boîte. L'arrière de la boîte est nickel. Je pense que c'est dommage. Avec ces gars, ils auraient pu investir sur un matériel plus plus performant. Ça aurait été pas mal. Donc voilà, Snow Surfer. Je vous mettrai tout à l'heure. Donc c'est un jeu de surf. C'est le jeu de surf sur Dreamcast. À ne pas louper. Qui joue bien entendu jusqu'à... Attendez, est-ce qu'il joue jusqu'à 4? Je sais que j'ai joué à 2. Ah, je suis pas sûr qu'il joue à 4 d'ailleurs. Je suis pas sûr. Parce que de toute façon, on avait que 2 manettes. Donc... Ah non, 1 à 2 joueurs. Mais là, c'est le truc qui était énorme. Voilà. Je reparlerai après. Ce jeu est énorme, il a une particularité, c'était bien sympathique. Alors il y avait aussi un autre jeu que j'ai connu. On va laisser ça pour un peu d'animation. Mais qui n'est plus là, malheureusement, parce que le jeu ne fonctionnait plus, donc on l'a acheté et tout. C'était Sonic Adventure 1. Ok, j'ai joué aussi. Je l'ai jamais fini. Cette console, je l'ai jamais fini. Je l'ai fini depuis. Et le premier niveau sur la plage. Comment je l'ai fait, mais comment j'ai torché ce niveau. Ah, je vais vous dire le nombre de fois que j'y ai joué, que j'ai refait ce niveau. C'est un truc de fou furieux. Sonic Adventure, très sympa aussi. 99. Voilà pour les jeux Dreamcast. Donc on en a déjà pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Sur les calentures, c'était 11. Je me souviens également d'un jeu. De voiture. De course. On s'est déplacé dans une ville. On pouvait aller d'un endroit à un autre. Enfin, c'était pas vraiment des courses, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai joué vraiment très peu. Je sais pas si c'est pas d'ailleurs une démo que j'avais eu ou je sais pas quoi. Si vous connaissez ce jeu là, je sais qu'il y a eu pas mal de jeux sur Dreamcast, de jeux de course sur Dreamcast. Je sais que c'est pas 24 heures du Mans par exemple, c'est pas un jeu comme ça. Je me demande si c'est pas F quelque chose. Faudrait que je me renseigne. C'était pas un. Ouais, on... bah, en fait, comme je comprenais rien à l'époque, on s'amusait à dire ouais, je vais d'un endroit à un autre dans la ville et on s'amuse et tout. Enfin. Voilà quoi. Mais à part ça,
Je m'en souviens plus vraiment. Et voilà, bon, le dernier jeu. Vous en êtes tous. Shenmue. Ah là là, Shenmue. Que d'aventures avec Shenmue. Ah, la boîte est encore un peu poussiéreuse. Alors Shenmue, la première fois que j'ai découvert Shenmue. Ah là là, la galère. Oh là là. Je n'y comprenais que dalle. Franchement, je commençais avec Ryo Hazuki à jouer dans la nojo et tout. Et là, mais je savais pas du tout ce qu'il fallait faire. C'était en anglais. C'était what the fuck. Mais attendez, c'est quoi ce jeu de ouf? Je joue avec des chinois et je sais pas quoi faire. Oh my god, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Mais c'était un truc du genre quoi. Enfin, je comprenais rien du tout. Mais par contre, il y a un truc que je dois vous avouer. Première fois que j'ai joué, j'ai trouvé le jeu mais vraiment magnifique quoi. Parce qu'en fait, au début, je croyais que c'était un film. Non mais sérieusement. Le truc, je mets. J'arrive sur le menu tout, je mets une nouvelle partie. Ça enclenche et tout. Et là, il y a une intro qui s'enclenche. Attendez. Moi, j'avais l'habitude de jouer à Snow Surfer. Je voyais pas un truc comme ça. Une intro et tout qui dure presque 10 minutes. Je me dis, waouh, attendez. Un truc de gros psychopathe. Non, mais sérieusement. Et donc après, bah, j'ai rejoué. Je comprenais un peu. Bah, non, les premières fois, les. Franchement, vraiment la toute première fois, j'ai, à la fin de la cinématique, je parlais au personnage qu'il y avait, que je rencontrais, genre Inye-san et Fukusan. Et en fait, mais il parlait des fois pendant longtemps, je voyais des cinématiques, ça me saoulait, on pouvait pas passer dans Shenmue les cinématiques. Donc ça me saoulait, ça m'a saoulé super vite. Hop, j'ai dit, oh c'est bon, on va se remettre sur Rayman. Ou sur Snow Surfer, mais voilà quoi. Ce jeu est à beau être beau, mais il est chiant. donc ça, c'est bon. Après, je me suis dit, bon, ça a l'air sympa quand même, avec les Chinois. J'ai demandé les adultes que, donc, à la maison, là, qui connaissaient le jeu, mais c'est quoi ce jeu? J'ai dit, j'ai joué à ce jeu et tout, je comprends rien d'où est, c'est normal, c'est en anglais, bon, c'est. Ça s'appelle Shenmue, je connais pas trop, voilà quoi. J'ai pas encore trop joué, voilà. Parce que moi, ça me disait quoi. Moi, je voyais déjà c'est. Ça. Je me dis, mais bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Après, quand j'ai vu que. Alors, j'ai pas réussi à les enlever avec une main. Et quand j'ai vu qu'il y avait déjà deux boîtes, je me suis dit, mais attends, pourquoi il y a deux fois le même jeu, quoi? Et après, j'ai vu qu'il y avait 4 GD-ROM. Disque 3. Bon, je vais pas tout ouvrir non plus. Là, vous avez, en fait, Shenmue 1 a 3 GD de jeu et Shenmue Passport. Passport qui avait des. Enfin, il y avait des bonus. C'était des bonus en fait. Et on pouvait aller sur internet et on pouvait avoir des informations sur les personnages, sur l'univers de Shenmue, etc. Voilà, Shenmue Passport. Voilà, donc. Shenmue, je vais pas trop non plus vous en parler. Alors, déjà, je peux vous dire que les boîtes, par contre, elles sont restées nickel. Le truc qui était super avec Shenmue, c'est que grâce au fourreau. Les boîtes, elles sont restées nickel. Le truc, elles brillent. Ah, s'il y a une rayure ici. C'est une rayure, ça? Ah non, c'est même pas une rayure. Attendez, vous pouvez même pas voir. De toute façon, il y a du reflet. S'il y a même pas une rayure, c'est une saleté. Et sur l'autre? Sur l'autre, il n'y a pas de rayure. Putain, en 12 ans, le truc, il est. La boîte est comme neuve. Les boîtes sont comme neuves. Truc de gros psychopathe. Je me répète, mais c'est ça quoi.
On est déjà 40 minutes. Non mais c'est un truc de fou furieux là. Non mais c'est pas possible. Ryo, normalement Ryo il parle pas si. Je parle pas beaucoup comme ça, hein. Je parle pas beaucoup moi. Attendez. Donc voilà. On va peut-être un peu speeder, enclencher la deuxième. Qu'est-ce que je voulais vous dire le plus long? Ouais, donc Shenmue. Je vais pas vous en parler plus là parce que je suis en train de faire des vidéos sur Shenmue justement, qui se nomme Shenmue, partageons nos émotions, parce que c'est vraiment. Mais Shenmue, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu Shenmue, c'est pas possible. C'est une expérience. C'est une expérience. Donc plusieurs vidéos où pour qu'on partage nos émotions et tout. Moi je parle vraiment de. Enfin il y aura des vidéos où je commenterai pas. Par exemple il y en a déjà une sur la chaîne YouTube qui est l'introduction en fait. Je vais vous passer plusieurs passages du jeu en évitant de spoiler pour ceux qui veulent s'y mettre. Donc là l'introduction je vais pas parler. Il y a d'autres vidéos où je vais vous partager bah, vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là, quoi. Ouais, franchement, partager l'émotion de Shenmue. C'est vraiment le truc primordial. Vous faire découvrir, en fait, Shenmue, pour ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'il faut dire que, vraiment, avec la Dreamcast, là... Ouais, je vous ai même pas parlé de la Dreamcast. Je vous ai à peine parlé de la Dreamcast. La Dreamcast qui... Bah, pour ceux qui savent pas, bah... Elle a pas marché quoi, elle s'est vendue à 10 millions d'exemplaires. Alors que la PS2 s'est vendue au moins à 200 millions quoi. Mais Sega aussi a eu un problème de marketing, mais ça, voilà, j'en passe. Je suis pas là non plus pour parler affaires. Donc, que vous proposez pour terminer cette vidéo? Ouais, je vais peut-être vous mettre Snow Surfer. Vous montrer Snow Surfer et Shenmue. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Après les autres, il y a le Trinket aussi. Oh là là, je voulais pas parler de Internet sur la Dreamcast. Bon, je pense que je vous ferai une autre vidéo sur Internet. Sur Internet, pardon. Je suis pas sûr encore. On verra. Voilà, donc. Allez, je vais mettre Snow Surfer. Je vais vous laisser écouter l'intro. Je sais pas si on va pouvoir avoir l'intro. Hop, parce que la télé Sanyo est allumée. J'allume la Dreamcast. Hop, je ferme le volume. Hop! Par contre, à une main, ça va être assez difficile. Attends, je vais peut-être changer de main. Hop! Voilà, je serai plus à l'aise avec la main droite. Ou pas, en fait. Par contre, ça fait vraiment des traits dégueulasses. Hein. C'est en reculant. Non, a priori... Voilà, est-ce que je vous laisse un trou? On n'a pas vraiment trop le temps en fait. En fait, il présente les personnages au début. Bon, on n'a pas le temps en fait. Désolé si je vais un peu vite. Tiens, je vais avoir une crampe en fait. Attention. Freeride Snow Surfer 4-4-4-4-4 Freeride. Là vous avez les personnages du début. Vous avez Axel, Tia, Ronnie, Bob, DJ Ken, Monica, Jimmy,
Après, il y a des personnages bonus qui sont pas mal, qui sont assez énormes. Vous pouvez jouer après avec un bonhomme de neige, c'est un truc de fou. Mais j'ai vu que sur la version américaine, vous pouvez jouer avec un alien. Parce que le jeu n'est pas le même nom, version américaine ou PAL. Donc là, c'est Snow Surfer. Alors que version américaine, c'est Ripping Silver, je crois. Là, vous pouvez changer de planche de surf. La plus rapide, c'est celle-là. Voilà, j'ai débloqué. Avant, j'avais débloqué toutes les courses, mais là, voilà, j'ai recommencé. Bon, je vais pas vous faire le jeu non plus. Hein. En plus, je commence à avoir une crampe. Truc de pro psychopathe. Aïe. Ready, go! Je crois qu'il en fait des figures en fait. Shoot the stick. Oh la vache. Je peux pas tout faire avec une main. Hop. Allez, je quitte. Bon allez. Fini de plaisanter. Hop. Il est juste chez nous. Sachez aussi que les vidéos que je fais, les vidéos par exemple sur Shenmue, dossier que je fais sur Shenmue, partageons nos émotions, c'est pas. Je cherche pas la gloire hein, sur YouTube moi. Vous comprenez ce que je veux dire. Moi, j'ai pas vous demander comme tous ces requins là. J'ai pas vous dire abonnez-vous à ma chaîne, mettez un commentaire, abonnez-vous, machin, pouce vert et compagnie. Non. Moi, je le fais. Enfin, je le fais pour vous. Et je fais ça aussi également pour moi quoi. Je me donne du plaisir à faire ça. Donc, c'est pas pour. Pour vous dire abonnez-vous si vous avez aimé votre vidéo, abonnez-vous. Non, c'est pas mon trip quoi. Après vous faites comme vous voulez, vous êtes libre de mettre des commentaires si vous le souhaitez. Vous faites ce que vous voulez. Moi je m'en fous de pas avoir beaucoup d'abonnés, un truc comme ça. C'est pas mon objectif quoi. Vraiment horrible comme qualité. Là vous voyez le meuble est en jaune parce que le rideau là voilà c'est pas mal je trouve. Bon ah l'écran titre, est-ce qu'il y a une partie de, écoutez-moi cette musique. De toute façon je pense Dans mes vidéos Shenmue, partageons nos émotions. Je pense que je vais revenir sur la musique de Shenmue parce que. Non, c'est vraiment. C'est du oh my god. Hein. On est au 4 décembre, ouais. Bon, je vais pas commencer une nouvelle partie. Non, je vais pas commencer une nouvelle partie. Hein. Pas avec là en tout cas. Putain, j'ai une crampe pour bras gauche. Hop. Ouais, après c'est l'intro qui se met en route. Hop, j'éteins. Bon. Et ben moi je vais vous laisser ici. Je vais éteindre la petite télé Sanyo. J'espère que cette présentation de la. Bon, je sais pas. Je sais même pas encore comment appeler cette vidéo en compagnie de cette chère Dreamcast à Dustland. je sais pas comment j'ai appelé cette vidéo, peut-être juste Dreamcast, présentation d'un Dreamcast, j'en sais rien. C'est vraiment une vidéo pour me faire plaisir quoi, une vidéo en tout ça l'improvisation.
entre une ou deux parties de Mario Kart 8. Et bah, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis donc à bientôt. Et donc, sûrement prochainement, alors une vidéo sur sur Internet, donc sur le Dreamcast, etc. Dream Arena. Et ben, qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Si, attendez. Oui, donc, pour l'instant, normalement, il y a une vidéo de chez nous. Normalement, il y en aura d'autres. Et sûrement d'autres aussi. Il y a une vidéo Mario Kart aussi en attente. Et sûrement d'autres aussi pendant l'été. Voilà. Donc on se retrouve très bientôt. Allez, salut à tous et à la prochaine. Bye bye.